D'accord, fini, on part devant. À mon top, on accélère. À mon deuxième top, on ralentit. Oui, tout à fait. Toute ma famille est là-bas, donc j'ai attendu 10 ans pour pouvoir combattre chez moi et que mon public réunionnais puisse voir la femme et la combattante que je suis. Une grande fierté et beaucoup, beaucoup d'émotions parce que voilà, j'ai mon père, j'ai ma mère, j'avais tout le monde qui était là et même voir le public réunionnais se mettre, se transcender dans la salle en criant mon nom, c'était vraiment quelque chose de grandiose. De revenir et de pouvoir voir les gens regarder, porter la ceinture et être aussi fier de moi et fier du club aussi, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a mon coach Jérémy Moreau qui est extraordinaire et qui fait un travail de fond et de fou avec les personnes qui sont derrière moi.